Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 336 de Stage 1. Et nous allons jouer aujourd'hui à un jeu qui s'appelle King Arthur's Gold, qui est un jeu qui donne un peu à l'air ancien. Et donc j'ai eu l'occasion de le démarrer parce qu'en fait c'est un jeu qui démarre un peu... qui n'est pas comme les autres en fait. Ouais, il est différent. Et donc du coup j'ai dû démarrer un peu plus que ce que je faisais d'habitude pour voir s'il fonctionnait bien. Ne serait-ce que pour mettre en full screen, j'avais pas forcément vu les options tout de suite, donc du coup j'ai un peu galéré. Donc voilà, on va se mettre en mode solo. Je sais pas si on fait un tutoriel ou pas. Parce que du coup j'ai juste démarré tout à l'heure, j'ai fait un Save the Princess. Et ben je démarre directement là-dessus. Je vais déplacer un peu. Voilà, plein de choses. Alors on peut passer le cinématique, voilà. Hop, j'ai dû mettre en QWERTY pour que ça fonctionne bien. Alors, on peut avec la souris contrôler la vue. Avoir un bouclier avec le clic droit et le clic gauche pour attaquer. On se déplace avec ZQSD, donc en anglais, c'est ce que je disais. Et hop. Bah c'est parti là, je découvre. Ok. Ah, je peux couper les arbres. Ça marche ou pas si... Ah ouais. Énorme. T'as vu, il est tout de suite coupé en rondin hein, d'ailleurs, dès qu'il tombe. Oh putain, ça jette là. On dirait qu'il fait un cri Wilhelm à chaque fois qu'il... Comment je vais te péter ta gueule? Ou comment je te le découpe en morceaux le mec? Oh. Ils sont crevés. Oh, comment je les ai découpés en morceaux les mecs quoi. Le mec il me tire dessus quoi, tranquille. Alors par contre il y a une bombe mais je sais pas comment la tirer. D'accord, il y a une histoire de checkpoint en fait. Il doit y avoir deux grosses équipes. Oh putain je me suis fait mal. En fait, on peut miner, en fait. Allez, on va couper l'arbre. Parce que j'aime bien couper les arbres. Flof. Ah, je peux pas aller plus loin? Ok. Il se passe quoi, là? Je suis en train de couper quoi? Enfin bref, c'est ma... Je sais pas si je peux mourir. Imagine que oui. Genre le mec il tire dans le... Hein. Oh, il m'a tué. Mais comme j'ai pas de barre de vie nulle part, qu'il y a rien à l'écran, du coup c'est compliqué de savoir. Là. Oh, du cœur là.
Mais c'est un cœur, mais enfin ça. Sachant que j'ai pas de barre de vie, c'est compliqué quand même de savoir si ça a une utilité. Oh putain, putain, je vais pas mourir non plus. Et voilà, je suis encore mort, mais je sais pas comment. Parce que j'ai pas de vie. Ah putain, on va y arriver, on va y arriver. Yo. Bon, la musique est assez répétitive du coup, là. Ok, je me suis fait mal. Tranquille, le tour de guet là. Tu-tu-tu. Ouh, comment je t'ai démonté, mon petit. Là, 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 je te découpe en morceaux. Pour l'instant, je vois pas pour l'instant plus de jeux que ça. Ah, putain, putain, remonte, remonte. Ok. Oh, du maïs, miam, 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 miam. Chargement. Ouais, trop fort. Ça, c'est une sorte d'église. On peut même couper l'herbe. Oh, comment il s'est suicidé lui-même. Il y a un requin qui bouffe. Regarde, il y a un requin en bas qui bouffe les gens. Oh putain, vite, vite, avant qu'il me bouffe, avant qu'il me bouffe. Oh con, comment j'ai eu peur. Oh, des poulets. Poulet, poulet. Il y a des poulets. Elle est où la poulette. Oh putain, c'est quoi ce bœuf. Je peux le tuer. Pas bien, pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Donc ça, c'est le genre de point de contrôle, on est d'accord. Non. Non, 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 non. Non. Quel fils de pute. C'est pas facile de jouer avec la main gauche. Tout en ayant la souris en même temps. Je vais juste remonter là. Hop. Bon, on va essayer de pas attaquer le bœuf cette fois-ci. Oh merde, je me suis fait avoir. Oh, c'est quoi ces pièges? Il y avait des pièges quoi, sans déconner, je me suis fait démonter. Si je remeurs, je suis dégoûté. Je n'aurai pas de remords. Yop. Yop. J'ai mal à la main, j'ai mal à la main. Oui, c'est bon. Nouvelle carte. Allez, on se fait cette carte là, et après on arrête. Il vient de se tuer lui-même, le mec. Oh putain, merde, c'était des pièges, ça. Oh, j'ai failli mourir. Tu-tu-tu. Regardez comment il se suicide, le mec, quoi. Oh, il m'a tiré une flèche sur la gueule. Enculé.
plus une bombe, mais je sais pas comment les tirer les bombes, donc ça n'a aucune utilité. On peut zoomer, dézoomer. Donc ça c'est à savoir. Là il y a un truc pour les bio. Là il y a une sorte de catapulte, je sais pas comment l'utiliser non plus. Ok, il fallait que j'appuie sur E. Est-ce que j'ai les commandes? Alors, inventory. Ok, je peux garder les contrôles à tout moment. Alors, vous les voyez pas parce qu'il y a ma tronche dessus. Mais en gros, là, j'ai la barre avec les cœurs et tout. Donc, c'est beaucoup mieux. Jab hold slash. Hop inside. Ah, mais je peux monter dans les installs et tout. Trop bien. Merde, c'était quoi? Parce que là, c'est un shop, ça. Comment je fais, moi? Donc j'ai trouvé les bombes. J'ai trouvé les bombes, j'ai trouvé plein de choses. C'est peut-être que j'aurais dû faire dès le début, mais bon. Est-ce que je peux lâcher une bombe là? Wooden door. Je peux la casser la porte ou pas? Merde, comment je fais pour rentrer là? Est-ce que c'est sérieux? Oh, le mec il s'est suicidé quoi. Tranquille le mec. Le suicide c'est pour les gens, cool. Je peux pas passer par les portes, elles sont toutes fermées. Comment je fais moi? Faut que je rentre là par là. Est-ce que je peux casser les cailloux? J'ai pas de bombe. Putain, j'ai pas de bombe à faire péter. Y'a moyen, je suis sûr qu'il y a moyen de la péter la porte. Ah oui, ça commence, il était temps. Il faut y rester un moment de bombe, par contre. Faut être patient. Dès qu'elle va casser, je vais pouvoir y aller. Oh putain, oh putain. Évidemment, elle est en deux blocs la porte, hein. Je vais pouvoir passer. On est marre. J'ai mal au doigt, Tout ça pour mourir. Oh con. Change classe. Ah, je peux devenir autre chose. Putain, il découvre le jeu quoi. Bon là du coup, allez, on passe par là.
J'ai dit que je faisais ce niveau. Ah, me dis pas que je vais devoir passer par l'autre. Je vais péter un câble. Vous aussi, sûrement. Voilà. Voilà, tout là. J'en ai marre. J'ai pas intérêt à remourir dans 30 secondes. Sinon ça va me saouler. Allez! Oh oui! Putain, il est bon ce con! J'ai l'impression que c'est un cri Willem. Je suis pas sûr de moi. Allez, crève, crève, crève. Oh là, il m'a encore tué. Allez vous faire enculer, j'arrête ce niveau. J'arrête ce jeu. Arthur's Quest, ou de machin de quest. Donc on a découvert qu'il y avait plein de trucs avec lesquels interagir, en tout cas qu'il y avait plein d'options. Voilà, utility, light bomb, on a plein de choses. Donc on va s'arrêter là sur ce jeu. On va revenir là sur l'écran. On va s'arrêter là sur ce jeu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Arthur King's Quest, je sais plus quoi là, merde, Arthur, j'ai plus, j'ai oublié, bon ben voilà. F1. Hide help, oui, un petit truc pour non, on s'en fout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en likant, en délikant. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour de prochaines vidéos, de prochains jeux. Je trouve celui-là est vachement bien. Même si graphiquement il est pas. Voilà, ça, il y a de la stratégie, il y a de l'action, c'est réflexe, un peu d'action, c'est sympa. J'aime bien. Enfin bref, je vous laisse pour aujourd'hui. À très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis salut!